les communautés étrangères résidentes au Gabon et particulièrement celles de la communauté togolaise ont tenu, quoi qu'en différé, à célébrer les droits des femmes. Et c'est l'ambassade du Togo à Libreville qui a servi de cadre pour cette commémoration. Les membres de la Fédération des associations féminines de la diaspora togolaise au Gabon se sont enfin retrouvés. À cette occasion, il est prévu de réunir toutes les femmes togolaises résidentes au Gabon qui ont été dispersées entre-temps par la situation sanitaire qui prévalait. Concernant la thématique, elle rejoint les nécessités de la femme togolaise parce que beaucoup sont victimes des changements climatiques et ce qui les pousse à aller vers l'exil pour un meilleur devenir. Donc ce thème répond aux enjeux et aux défis que la femme togolaise résidant au Gabon a à relever. Parlons de la responsabilité et l'implication de la femme au sein des ménages, et particulièrement sur l'éducation des enfants. L'autorité traditionnelle a présenté pour la circonstance les avancées. Avant que le foyer ne marche bien, il faut que la femme soit vraiment dynamique. Si la femme n'est pas là, je pense que du côté des enfants, parce que nos maris, ce sont nos papas, quand ils s'élèvent, ils partent chercher notre nourriture. Il faut qu'elle aussi, elle joue bien son rôle dans le foyer pour l'avenir de demain, dont nos enfants. À titre de projet réalisé par les femmes togolaises au Gabon figure, entre autres, la création de leur fédération des associations féminines de cette diaspora, dont les activités menées à ce jour suscitent de l'admiration. Dans les jours à venir, la fédération, conduite par l'ambassadrice Padazoué Abina, envisage la mise en place d'une structure dont l'objectif sera d'assurer aux femmes une protection sociale en cas de maladie.